Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft. Donc chers amis, si je commence cet épisode dans le shop, entre guillemets, dans le Community Robo Factory, c'est pour une bonne raison. L'un d'entre vous m'a prévenu que, en fait, attention, tenez-vous bien, toutes ces petites choses, tous les prix que vous voyez ici, sont en fait un espèce de déblocage de location pour environ 6 heures. Et ensuite, si vous souhaitez vraiment continuer à jouer avec, il faudra l'acheter avec ceci. Donc avec des Galaxy Coins. Ce qui donc du coup pour l'instant est pas du tout, mais alors pas du tout intéressant. Par conséquent, on va continuer à aller acheter ces cubes. Donc on va en profiter, on en a à l'avance, on a beaucoup de crédit. On va aller faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Alors je vais en vendre 2, voilà. Gnag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 
Hop. On monte. D'accord. Bon, c'est pas grave. Allons-y de manière un peu plus sérieuse. Voilà. Et je rate. Bon, je suis pas chaud. J'aurais peut-être dû faire une partie de chauffe. Parfait. Alors. Ok. Raté. 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 Oh, je touche là. Touché. Oh là, j'ai été touché aussi. Deux fois. Par ça. Touché. Aïe. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il est mignon, je reconnais. Un peu bizarre, mais mignon. Oui, non, mais c'est un peu mort maintenant, hein. Vous faites du kill, vous faites ce que vous voulez, mais maintenant, ça sert à rien de spammer le truc, quoi. Oh, mais non, mais putain, mais c'est casse-couille, ça. Appelez. Hop. On peut redescendre, merci. Oh. Hop, de toute façon il est inutile. Ce n'est pas un danger. Oh, c'est parce qu'il est derrière le bouclier. Bon, et vous faites quoi? C'est bien de dire, ah, oh, il y a des gens, mais vous branlez rien. Bon, j'aimerais bien un coup de heal, moi, perso. Non, pas du tout, ça t'intéresse pas. Non, pas du tout. Bah, ben, on n'a pas de heal. Ah si, on en a un, mais il est mort. Ah non, il a déconnecté. Beta testing pro, il a déconnecté. Ok, c'est cool. What? Non, mais alors cette partie va être une partie éclair. Voilà, on se fait manger au spawn. Les putains de bombardiers ne sont pas du tout efficaces. Je sais pas ce qu'ils ont, ils mettent 10 ans à tourner, encore plus qu'avant. Alors déjà que c'était casse-couille au début, mais alors là. Non mais c'est mort, cherchez pas. Et les SMG qui ont l'air hyper méga solides comparé à avant. Allez. Merci. Je comprends plus. Alors le heal qui se barre dès le début. Dès le début. Le mec il prend un rôle important et c'est en plus un connard. Vous imaginez le truc? Ah putain, je suis déjà en train de rager. Ah bah on va pas la gagner cette partie. Hein. Voilà. Voilà, mais bien sûr, mais en plus les SMG sont encore plus OP qu'avant. C'est cool, non, mais c'est cool, franchement c'est vraiment cool. Ok, il y a de la joie.
Eh ben, il y aura qu'une partie dans cet épisode, chers amis. Elle va être très très courte, vous allez voir. Parce que vu comment ça me gonfle de base. Est-ce que je vais avoir le temps de décoller cette fois-ci? Oui, non, non, oui. Vous êtes pas forcément sûr. Voilà, je réussis à passer niveau 5 quand même avant de. Putain, mais c'est casse-couille! Putain, mais je prends 12% de dégâts alors que le mec il est à chai quoi! Regardez ça! Voilà! Yes! Hop! Ah bah non, apparemment il y a quelqu'un qui a pas été d'accord. Je pense que je vais faire une petite pause sur Robocraft. Hein. Ça va finir comme ça. Hop. Ah bah bien sûr, mais vas-y, déconnecte. Vas-y, lâche-toi, déconnecte. Your bottom fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste un pouf point là. Voilà, ça y est, voilà la SMG qui me rattaque de nulle part. Hop. Si je peux essayer de l'attaquer de là. Oh what? Putain! Voilà! M'en fous, c'est pas important cette attaque. Mais non! Pff. De toute façon, c'est trop lent, ça pourra jamais attaquer. Regardez ça! Si je fais ça, elle arrive même pas à suivre. Vive la réactivité, quoi! Ah bon, fallait pas que je m'attende à un gameplay d'équipe dans ce jeu quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on se bat à 5 sur un bonhomme. Et on n'arrive pas. Voilà. Aussitôt spawn, aussitôt défoncé par des putains de SMG qui sont impossibles à buter. Tiens, bouffe. Ok, je m'en prends plein la gueule. Voilà autre chose. Alors, il me fait des trucs des fois ce vaisseau. Surtout quand il est touché. Alors, je sais pas ce qui me touche, mais bon, écoute. C'est pas grave. Ah, si, apparemment, c'est peut-être ça. Parce qu'en plus, maintenant, on voit même plus les tirs d'où est-ce qu'ils viennent, les tirs de SMG. Ils sont tellement rapides. Ça sert strictement à rien de jouer avec notre classe. Hein. Putain. Voilà. Génial. Hop. Je m'éclate. Je m'éclate, chers amis.
Franchement, je m'éclate, hein, je m'amuse. Oh nom de Dieu. Ah ça y est, le heal, il y a un heal qui s'est réveillé. J'avais pas encore vu de heal dans la partie. Pas de notre côté en tout cas. Ah bah on a reperdu une tour, c'est cool. Et voilà, je me fais toucher de l'autre bout de la map. Putain, mais à quoi ça sert de jouer sniper quoi? Franchement, ça commence à me gonfler cette histoire de SMG à la con. J'annonce, la première personne qui osera foutre un truc comme quoi elle surkiffe les SMG, ce sera un ban direct de la chaîne. Je ne supporte plus. C'est tellement déséquilibré, il y a des gens qui m'ont dit que c'était rééquilibré, non mais lol. Putain, mais regardez ça, elles mettent 30 ans à se remettre en place les putains de bombeurs quoi. Par contre les SMG ça y va, hein. Regardez les dégâts qu'elles font. C'est dégueulasse hein. Allez crever les SMG. Voilà, elles sont à shy, elles sont complètement OP. Elles sont plus précises que le sniper, plus rapides, et font autant de dégâts. Yes. What? Mais vous êtes des masos? On se fait défoncer et c'est pour le plaisir principalement. Bam! Ah ça y est, je l'ai eu quand même le kill. Ah bah oui, bah voilà. C'est génial. Je suis une fusée. Je suis un suppositoire. Ah bah j'ai plus de bouclier, voilà. Bah comme ça, écoutez. C'est cool. Alors à mon tour de mettre quand même sur Under. Putain. Je ne comprends pas. Le masochisme de ces hommes. Avec un peu de balle, ils vont reprendre. Ah bah non, ils sont même pas sur les tours. D'accord, ok. Oh bah non, mais faites du kill. Continuez à faire du kill, les gens. C'est bien, c'est cool. Alors je comprends pas comment on arrive à être niveau 13 sans avoir la moindre tour. Franchement, je me pose des questions. Alors bah oui, mais bien sûr. Là, tu vois les coups de te faire péter ou tu vas juste regarder là? Ah, tu regardes, oui, non, c'est. Effectivement, c'est pratique. Tu es d'une utilité incroyable. Et longtemps remercie. Tu m'étonnes qu'on perde. Putain. Y'a personne qui a un surrender? Pas la peine. Voilà, fin de la partie. Et je pense que c'était pas vraiment le bon jour pour jouer à ce jeu de merde. Oh nom de Dieu. Ah, en plus c'est le premier jeu que je tourne aujourd'hui, c'est génial, ça me fout dans l'ambiance. Ah nom de Dieu. Bon, bah je reviendrai en tournée d'ici quelques jours. 121 000, ouais c'est cool, je viens quand même payer 5 cubes. À peine. On va voir. Hein. Voilà, 5 cubes. Parfait. Bon bah voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me pouce-briser, le commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me linker dans les commentaires des liens vers Robocraft Garage, pardon. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de me voir rager à nouveau. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour de meilleurs jeux dans la Playroom justement. Blablabla, je me répète, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je voulais dire. Et regardez, je vais quitter.